Ce lundi, le Palais des Sports de Libreville a abrité le colloque autour de la fonction publique. Une rencontre qui avait pour objectif la restauration de la fonction publique gabonaise. La restauration active de nos principes suppose aussi des procédures d'accès aux emplois plus transparentes, plus ouvertes, grâce à une évaluation aussi objective et impartiale que possible. En vue d'un encadrement plus efficace pour les prochaines années, la ministre de la fonction publique est revenue sur les points qui caractérisent le portefeuille dont elle a la charge. 3 927 dossiers en attente de régularisation. Ce sont des dossiers qu'on a trouvés, qui sont des dossiers qui résultent du gel des situations administratives. Gel qui a été partiellement levé en décembre 2020. Avec plusieurs éléments qui freinent d'une manière ou d'une autre l'accompagnement des agents gabonais, on est tenté de se demander quel est à ce jour le devenir de la fonction publique du pays. Que chaque administration parvienne à proposer des réformes structurelles, mettre en œuvre une gestion des ressources humaines plus rigoureuse, encourager une gouvernance publique plus transparente, renforcer la décentralisation également. Longtemps resté sous silence, il est temps pour la fonction publique gabonaise de mettre fin au laisser-aller et redonner à ce ministère sa dignité d'attente.